Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler d'un moyen pour faire de la contribution rapidement. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, j'en refais une parce qu'il y a eu des mises à jour qui changent un peu la donne. Donc comme d'habitude, vous connaissiez la façon de faire des rerolls. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai un lien en fin de vidéo qui vous permet d'aller vers ma vidéo qui vous parle de la session reroll qui est très rentable pour faire de la contribution. Donc on parle bien de ça, qui permet d'avoir des ouvriers fortement puissants. Donc je vous redirigerai directement là-dessus. Donc une des meilleures méthodes est de faire des rerolls. La deuxième façon est que depuis la mise à jour, vous pouvez monter votre poste de commandement niveau 7. Bon, pour ceux qui n'en sont pas là, vous avez le poste de commandement niveau 6. Le poste de commandement niveau 6 vous permet de faire des quêtes toutes les X heures, je ne sais plus combien. Enfin, je ne connais pas le chiffre exact, mais c'est toutes les 2-3 heures. Il y a un PNJ qui pop qui vous propose une quête rapide à faire qui vous donne 750 de contribution. Sauf que depuis la mise à jour et depuis le poste de commandement niveau 7, pour ça il faut bien, et je répète, le poste de commandement niveau 7, le PNJ vous donne une quête qui vous permet de gagner 3000 de contribution. 3000, et ça plusieurs fois par jour. Ensuite, j'en avais peut-être déjà parlé, si c'est pas le cas, je vous le montre. Vous allez dans une zone de bas level, comme vous avez vu, c'est une zone de niveau 16. On peut faire ça dans des zones de plus bas level, le plus bas level possible. Et il faut trouver une quête répétable comme celle-ci. Et la quête répétable en question vous demande de tuer uniquement 20 mobs. Voilà, seulement 20 mobs. Et tous les 20 mobs, vous gagnez 52 contrib. C'est très rentable, mais mentalement, faut être en béton armé, quoi. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous faire un topo. Sur des petits changements sur le farming de la contribution pour ceux que ça intéresse. C'est tout. Donc, ben, comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, ben, n'hésitez pas à lâcher des pouces, des commentaires. C'est un bon moyen de référencer la vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez voir ici. Ah, je ne l'ai plus affiché. Ah, je ne l'ai plus affiché. Alors attendez, j'essaye de résoudre un petit souci rapidement. Non, vous l'avez pas là, donc sur cette scène peut-être. Non plus. Bon, mais j'essaierai de le réafficher. Ici, vous avez mon code de renommée. Il vous suffit de le rentrer en cliquant ici justement. Donc pour y aller, il faut aller dans Relations, Renommée de l'aventurier, et vous rentrez ce code. Et je l'ai mis en bas de vidéo dans la description. Une fois que vous avez rentré ce code, en cliquant ici, à partir du niveau 20, et cela tous les 10 niveaux, vous récupérez des récompenses qui vous donnent des perles noires et tout un tas d'autres bonus qui vous serviront durant votre aventure. Donc voilà, vous pouvez rentrer ça, ça vous aidera, j'avais oublié de le stipuler. Et sinon, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Et on se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette courte vidéo vous aura aidé. Ciao, ciao!